Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfang pour encore un nouvel épisode de Prison Architect. Oui, il n'y a plus que ça à bouffer, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est pas de ma faute, Antonin il va plus faire du raft, c'est compliqué, et puis vu qu'il n'y a rien d'autre qui tourne. C'est compliqué, bien que... Il est vrai que j'ai quand même quelques vidéos en réserve. Mais ce n'est pas le sujet. Va pour une petite construction en béton... Va pour une petite construction en béton. Alors comme vous pouvez voir, j'ai fait des bâtiments, j'ai même marqué des plans, j'ai même pré-marqué des bâtiments. Parce que j'ai pas de mémoire et qu'il fallait que je me fasse des notes, sinon on galère et on avance jamais. Voilà. Alors oui, ça c'est intéressant aussi, il y avait toute cette histoire obscure là de... Cette obscure histoire de douche à la fraîche, ouais. Ça, je vois. On peut pas mettre des colonnes de douche. Pourquoi? Il y a condition au milieu d'une salle de douche pour fixer un peu de douche à chaque côté. À l'intérieur seulement. Et ben voilà. Et ben voilà qui est fait. Vous faites un bâtiment comme ça, vous y mettez genre une porte comme ça, et puis ce sera très bien. Voilà. Allez-y, cassez tout. Voilà. Malheureusement, j'ai eu un petit bug sur le jeu, un petit bug pas très fou, hein, pas très important, vous me direz avec tout l'argent que j'ai, mais j'ai perdu beaucoup de pognon. Je sais pas si, pour ceux bien sûr qui ont le jeu, si ça peut les intéresser de le savoir, mais j'ai eu un bug sur justement les troncs à vendre. Il a fallu un moment donné que j'en clique un et que je le vende à l'unité avant de pouvoir en fait vendre les autres. Quand je les vendais, c'était pas chiffré en haut. Donc je me suis assis, comme vous voyez ce que j'ai un peu déblayé pendant que vous n'étiez pas là. Je me suis assis sur beaucoup d'argent. Sur une petite centaine de milliers de dollars, je pense, au moins. Parce que vous voyez, les forêts c'est vite dense et là c'était assez dense, surtout ici. Bon, je me suis assis sur ça, c'est pas grave. C'est pas trop grave, bon, financièrement ça va. Tac tac. Que tant qu'à remplacer des murs, je mettrais pas des petits murs blancs pour le style. Pour le swag. Ah oui, mais attends, je crois que c'est sur le bâtiment 2 qu'il faut que je mette des murs blancs. Ouais, sur le bâtiment 2 qu'il faut que je mette des murs blancs. Vous voulez pas finir cette salle? Pourquoi? Je sais pas. Non, mais laissez-moi ça en fait. Finissez-moi ça là, hein, en urgence. Voilà. Ah bon, vous avez commencé, ça serait bien de finir. Ah, ça serait dommage pour trois conneries que vous le. Voilà, vous ne terminiez pas. J'ai pas mis de porte ici. Je vais en mettre une. Je vais en mettre une d'ailleurs de chaque côté. Ici, il en faut une là également. Petit hub chaufferie très important. Alors, on disait ici, il faut des murs intérieurs. Voilà. Ça. Ça. Pas de porte de personnel ici, hein, c'est la porte pour tout le monde. Hein. La bonne porte. Là, de loupiote, on éclaire l'intérieur et on fait la pièce. Pièce très rapide à faire. Il faut ça. Là. Et il me faut donc pièce salle de nettoyage. Nice, excellent. Excellent. Sur un petit... voilà, voilà. C'est mignon ça, ça c'est mignon ça. Je sais même pas s'il y a un milieu là dessus 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Voilà, tout en fenêtre très joli, hein. En tout cas, hein, très joli, on est très convaincu. Oh, les qui arrivent pas à monter, c'est très bizarre. Donc très joli. Alors, on va rajouter quand même 2 loupiotes encore. On est bien. Loupioton, loupioton, loupioton. Ici, on
part sur un dallage de pierre. Un peu rustique. Voilà. Et un parquet. Cette pièce elle est faite, ouais. Cette pièce est un atelier. Donc la porte sera relocalisée, bien entendu. Mais un atelier et un atelier dans l'atelier. Je crois qu'il faut la table. Ouais, il faut la table. Table grande ou petite. Hein, d'accord. Je me fiche. On a deux petites crèves. Hein. On va mettre une petite table. 2, 3, 4. Je sais pas, en grande ça passe. Ça passe. En table. Une grande suite du petit, mais bon, elles ont tellement pas du tout la même distance qu'elles sont plus larges carrément les grandes. Donc bon, on va mettre du classique. Et je crois qu'il y a un élément qui tourne pas. Oh, on peut tous les tourner maintenant. Ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool comme nouvelle. C'est plutôt très cool. Mais... carrément retourner les machines. Non mais ça c'est fou. Ça c'est juste fou. Ça faut le dire, c'est juste dingue. Non par contre non, on va peut-être pas faire ça parce que sinon il y a une table, on peut plus y accéder. Toi je suis obligé de te mettre là. Voilà. Et dans ces cas-là, on va juste adosser une petite table ici. Ah, c'est trop bien. C'est joli. Il nous reste bien entendu la place pour mettre. Alors il va falloir mettre des fenêtres, hein, on va pas gêner, on va déjà commencer par mettre des fenêtres dans les coins. Et... la porte d'entrée, on va peut-être la géolocaliser au milieu. Tant qu'à faire. Hop. Et tant qu'à faire, on va récupérer cette porte là d'ailleurs. Hop. Démonter. Ça c'est urgent. Le jeu il veut pas des fois. Oh, le jeu il est pas d'accord. Petit bug qui reste. Hein. Après je sais pas si c'est des bugs liés au fait que j'enregistre. Bon normalement le jeu c'est pas un monstre de gourmandise, mais non. Sait-on jamais. Sait-on jamais. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri que ce soit ça qui fasse tout bugger. Ici on a dit qu'il y avait un milieu. Bon, ici. Exact. Les fenêtres on aime ça. On récupère les petites, on va mettre de la grande. Voilà. On peut faire ça. Voilà. On met de la grande. Il faut qu'on leur mette tous des. Non pas des fenêtres, des radiateurs. Des radiateurs. La chaufferie est là, idéalement on va au plus bas. Hein. On va essayer d'aller au plus bas. Je pense qu'ici il en faudra de toute façon. En vrai, je crois qu'il va en falloir deux. On va voir. On verra. Et je sens que j'ai fait une connerie parce que c'est pas ce que je voulais faire, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. J'ai fait une connerie parce que c'était pas du tout ce que je voulais faire. Très bien, très bien. Démonte ces objets-là. Annule ça. 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 Annuler tout. Hein. Ah, c'est encore monté ça du coup. Ah mince. Bah, démonte. C'était bien, mais démonte. Par contre, la lumière, t'es pas obligé de la démonter. Tu peux éviter de la démonter. Par contre la table, oui, ça tu peux démonter. Ça marche. Par contre pour me faire ça, genre vite. Parce qu'à un moment donné, si vous ne pouvez plus rien faire. C'est pas très malin. Donc ça, ce n'est pas un atelier. Faux. Faux usage de faux. Ça, ceci est une buanderie en fait. C'est ça qu'il faut savoir. C'est que je fais les choses à l'envers. Malgré le fait que j'ai noté, hein, bien sûr. C'est pas aussi drôle. Et donc vu que c'est une buanderie, voilà, c'est une buanderie.
que c'est une buanderie, bah, que c'est une buanderie, on va faire une buanderie. Je suis en train de voir un peu ce que j'ai utilisé comme motif. Ouais. On va les verser avec le motif de la morgue. Prendre le motif de la morgue, mais en inversé. Ça c'est là. Et les grands blancs, c'est sur le côté. Très joli. Et du coup, cette pièce, c'est une buanderie CC marquée. Hop. Et ça, c'est un atelier. Non, je viens de recliquer sur buanderie, c'est ça? Oui. Ça, c'est un atelier. Voilà. Donc, ça, c'est un atelier. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui peuvent travailler dedans. Alors, tant que j'y pense, on va se mettre le dallage qui va bien. Oui, le petit inconvénient, c'est que j'ai que 4 ouvriers. Donc ça bosse pas très très vite. Là, on va leur faire un petit coup de main. C'est bon, les sous sont comptés ou pas? Non, j'ai l'impression que c'est à nouveau le bug. Les sous sont pas comptés. Ok, là c'est bon. Du coup, si je reprends... C'est bon, à nouveau c'est des bugs. Ah, les micro-bugs, faut surveiller ses sous. Hein. Faut bien vérifier que ça monte, hein. Sinon... sinon tout part à l'as. Hein. Retour juste pour vider les marchandises là, là c'est... Ah, c'est pas mal. 10 000 $, voilà. Pour ce 3 bâtiments, t'as fait 10 000 boules. Et bah c'est magnifique. Alors, c'est magnifique, mais... Ça c'est fait. Ensuite, pour l'instant, vu que j'ai pas prévu d'agrandir ma prison par là, je vais être dans l'obligation d'y implanter deux détecteurs de métaux. Évidemment. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir y implanter toutes les... Ah oui, alors la petite ou la grande. Mais est-ce que ça change quelque chose, une petite ou une grande? C'est ça la question. Est-ce que... C'est juste que ça coûte moins cher, point barre, quoi. Est-ce que ça permet de produire la même chose à la même vitesse, à la même cadence? Tiens d'ailleurs, est-ce qu'on peut enfin tourner le lave-linge? Oui, on peut le tourner. Ah, ça c'est pratique quand même, hein. Des petits ajouts tout bêtes, hein, qui te permettent de te changer la vie. C'est quand même bien, ça. Du coup, est-ce que j'ai envie de faire une seule porte ou deux portes en coin? Non, la porte centrale. La porte centrale, c'est bon. Passent carrément à travers les murs, quoi. Ils ont plus rien à faire. Voilà, ils sont bloqués. Bah ouais. Ah oui, vous êtes con, vous êtes bloqués. Bah ouais. Alors c'est quoi l'histoire de la porte? Elle est bloquée parce qu'il y a un truc dedans. Du coup, personne ne veut la construire. Yes. Cool. Bah, je l'enlève. On la remet. C'était juste bugué. Ça fait juste plaisir quand c'est juste bugué. Pas très stable le jeu encore. Hein. Y a mieux, hein. C'est plus cher visiblement. Ça c'était la lampe que j'avais dû démonter. Tac, tac, tac. Pareil, on va se mettre double cut, ça suffira. Quelques lumières histoire d'y voir quelque chose et que je pense à mettre l'électricité dans ce bâtiment, bien sûr.
Donc l'atelier. L'atelier, atelier. Atelier, atelier. Est-ce qu'on veut des grandes tables genre? Genre des grandes tables. Par exemple. Mais est-ce qu'on veut pas genre des grandes tables comme ça? Avec bah, les radiateurs dans les coins. Par exemple. C'est une idée que je propose, hein. Juste un concept. Oh, complètement ok. On est ok sur ça. Très bien. Les presses, c'est parti. Envoyer de la presse. Envoyer de la scie sauteuse. Est-ce qu'on peut renvoyer de la presse? Encore deux presses et deux scies. C'est parti, on envoie tout ce qu'on a. Et en fin de chantier, on remet de la table. De la table. Voilà. Et deux radiateurs comme ça, on n'aura jamais froid là-dedans. Bâtiment certifié, isolé, qualité plus. Et même si pas isolé entre les machines. Et les 4 chauffages qu'on a mis dedans, vous devriez tenir. Un petit peu. Au moins un certain temps. Alors les loupettes que je suis en train de mettre, c'est juste pour me faire des repères de là où je dois mettre des portes. Bon, là, je dois pas en mettre, mais je vais la mettre pour équilibrer. Ok. Ok, donc du coup il me faut des portes, disait-on. Il me faut une porte ici. Porte par là. Par là. Et une porte par ici. Il faut du fenestron. Tout le monde soit content, heureux. Oh, regardez, je vois la lumière. Tout ça. En vrai, la connerie que je suis en train de faire, elle aurait presque de la gueule, hein. Bon. Ouais non, par contre là on va prendre des petites fenêtres. Ah non mais là il faut que je mette une grande. Ah oui, les tables elles font du 4. Ah ouais. Les tables elles font du 4, ok. Et ben va pour ça. Va pour ça. Et va pour ça. Pendant qu'ils montent tout ça, on va déjà commencer à raccorder les radiateurs. Ça va être loin pour cette chaufferie. Tac. Et par contre, du coup, dans la buanderie, j'ai rien mis. Ouais, j'ai de toute façon, j'ai pas encore équipé la buanderie. Je vois pas du coup l'utilité de s'embêter avec des grandes tables à repasser. Surtout que je sais pas par quel côté les gens les abordent. Ça me dérange toujours énormément. Je sais pas dans quel sens les gens l'utilisent. Je dirais de gauche à droite comme ça, mais après. Je suis peut-être un cul, quoi. Peut-être bien que je sais pas, quoi. Ouais, alors là, idéalement, faudrait plutôt mettre des petites. Sur de la grande en travers. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ça, je sais. Là, y a pas d'embrouille. C'est su et maîtrisé. Non, ouais, on va mettre des petites. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça. Les mecs travaillent de haut vers le bas. Ok, ça marche.
tu es bien aimable, mon ami. Bon, on pourrait simplement les inverser, mais en fait, non, je vais juste les décaler comme ça. Je sais que les mecs, ils aiment bien laisser les paniers quand ils rentrent dans le bâtiment au milieu. Comme des vieux sacs. Mais non, c'est ridicule comme ça. Qu'est-ce que je fais? Faut que je les mette comme ça. Tac, tac. Encore une place pour bosser. Okay. Les petites. On est pas mal. Est-ce qu'on a besoin de plus? Moi je dis que je pourrais bourrer comme un sac. Je pourrais tellement surbourrer comme un sac. Je pourrais surbourrer comme un sac. J'avoue que l'idée. L'idée me traverse méchamment l'esprit. Marrant, on peut construire dessus sans que ça dérange personne. C'est... Hein? Qu'est-ce que j'ai annulé? On ne sait pas. Et on ne le saura probablement jamais. Très bien. Ouais, c'est mis. Radiateur, du coup, on a la place pour en caler un peu. Alors, non, parce que je pense que le deuxième radiateur, je vais être obligé de le mettre en haut. Je sais pas, mais pour ça, il faut absolument que je raccorde. Sinon, je le saurai jamais. Moi, ça m'arrangerait savoir si je peux le mettre, si je peux le coller. En tout cas, là, un ici, ça suffit. Bah, ça, c'est bien. Bon bah ici on est large. Ici à la chaufferie on est large. On est même en train de chauffer la pièce d'à côté avec les portes ouvertes. On est tranquille. On est en train de faire fondre la neige, tout va bien. Là c'est en train de monter en température, on va voir. Ah, on va rester sur un cercle à 19 degrés. Ouais. Après je sais pas si avec la présence humaine le jeu prend en compte si ça monte ou pas. Je suis pas au courant de ce genre de truc puisque j'ai exploité qu'une seule fois les radiateurs et je me rappelle surtout que ça m'avait saoulé. Ça m'avait vite saoulé. Du coup, il me faut une plombasse de plomberie. Et là on sait qu'on est bon. Là on sait qu'on est bon, on sait qu'on est large, on sait qu'on est parfait. Par contre, oui, là où ça va nous faire très très mal par contre. Parce que ça va être douloureux. J'annonce la couleur. Il faut qu'on aille un objet. Yes, les détecteurs de métaux, c'est parti. Les fameux détecteurs de métaux. D'ailleurs tiens, les petits chemins de bord aussi qui vont bien. Hein. Alors j'ai fait des petites portes et je voulais de toute façon faire des petites portes parce que j'ai vu qu'avec les ateliers les mecs aimaient bien vite, assez vite s'embrouiller à coups de couteau. Assez rapidement. Et j'étais pas trop chaud pour que ça se fasse comme ça. J'ai de l'électricité là-dedans, j'ai de la lumière, pourquoi? Je ne sais pas. Et pourquoi ma table elle est pas amenée? Parce que... ok. Pas annuler la fouille. Ça c'est bien ça. Ça c'est super. Bon bah c'est pas grave. On va raccorder quand même. N'inquiétez pas. On va tout de même faire ça. Nous sommes des professionnels. Ah oui j'ai raccordé ici. Donc bah c'est super. On va plus qu'à faire ça. 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 Le mec il gratte les économies maximales hein. Voilà. On est bon. Et normalement ça devrait éclairer la pièce puisqu'on a assez de jus. Là éventuellement je vais peut-être être obligé de faire ça. On va voir.
Ah, les machines d'ailleurs, je sais pas s'il faut les raccorder en eau chaude. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Ah, ben j'ai oublié de raccorder ici, tout simplement. Oh, l'erreur bête, hein. Un café, l'épisode va être extrêmement long, extrêmement hardcore. On va poser des câbles. Épisode de posage de câbles. Non, mais on va aménager, je pense, nos 15 premières cellules, hein, je crois que c'est ça qu'on me demande, c'est les 15 premières. Augmenter votre capacité d'admission à 15. Oui, c'est ça, donc c'est bien ça qu'on me demande, oui. C'est d'admettre juste 15 mecs. Alors, moi, j'ai envie de leur dire s'il y a que ça pour vous faire plaisir, les petits bonhommes. Il y a moyen qu'on trouve une solution. En eau froide. À raccorder. Ah oui, parce que du coup il manque encore une table ici. J'ai posé mon jus comment? Entre là et là. Et ben vous voyez, j'ai perdu de l'argent là. Là j'ai perdu de l'argent. Mettez-moi ce câble en réserve. On va économiser des sous, les amis. Démonte-moi ce câble aussi. Et on va juste tirer un câble. Là. Pourquoi je vais payer? Mais c'est vache, ça. Oh, ça c'est vache. C'est pas sympa. Le mec a dû aller chercher un rouleau de câble entier juste pour ça, quoi. Espèce de sac. Bah, en vrai, on est cool, hein. Température, on est cool partout, hein. Ouais, on est cool partout. Avec les portes ouvertes, hein. Avec les portes ouvertes. Donc voilà. Ça, c'est fait. Atelier, c'est fait. Je pense que ça a une bonne capacité d'admission. Si on prend de la logistique. 11 mecs, c'est pas mal, ça me va. 11 mecs, c'est bien. Ça m'intéressait. Et je voulais faire en fait un espèce de bâtiment coupé comme ça, parce que je ne sais pas encore si on va séparer les basses sécurités des normales sécurités. Donc je voulais scinder une cantine en deux déjà, voire une douche, pour les empêcher en fait de se mettre dessus, de se cogner dessus. Bon, bah, on va continuer dans cet élan de projet, hein. Aucune raison que ça ne continue pas. Excellent. On voit ça jusque là. Non, nul tout. Jusque là. Et ouais. Et ouais, on fait des éconocroques tout le temps. Je voudrais, en termes de pièces, une cuisine. Alors je vois la cantine. Ouais, on peut déjà penser à tirer une cantine. Yes. Déjà, j'ai réussi à faire deux tailles de cantine égales. Ce qui est déjà pas mal. Mes deux cantines sont tirées, il me faut mes deux cuisines. Cuisine. Ah oui, ça me fait penser, j'ai pas fait mon mur des cons. Faudra que je fasse un mur des cons aussi. Bref, mur des cons à prévoir. Donc nous disions, je trouve plus la cuisine. C'est juste à côté, là. Ah oui, et on voulait je voulais transformer tout ça en mur blanc. Parce que c'était stylé. Voilà. Alors, il faut que j'aménage une première cuisine. Dans ma première cuisine, il me faut des lavabos. Ça n'a pas l'air comme ça, mais ça peut être utile. Lavaballe. Et lavafond. Ok. Ensuite, il me faut des cuisines et cuisinières et autres cuisineries. Cuisinantes. Alors on va tous refaire en mode couloir comme un bon gros sac.
comme c'est ma grande spécialité. Tac, donc il est là, oui, là comme ça. Il me faut les fridges, un fridge, deux fridges, fridge, quatre fridges. Je vais pas forcément en ajouter une poubelle, bien sûr. Hygiène, 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 les enfants, toujours. Et on va partir ici, pareil, sur, je pense, un accès en porte normale. Voilà. Alors, pareil, il est vrai que si on peut s'offrir quelques. Oui. Là, on rentre quand même dans des choses. Voilà. On rentre dans des bâtiments, petit paillasson, paillassonnon, pomme paillasson, tout ça, tout ça. Les choses bien, faisons les choses proprement. On va finir par croire que dans le jeu ils ont mis le paillasson juste pour moi. C'est pas improbable. Oui, ils peuvent pas débarrasser parce que j'ai pas mis de porte. C'est pas grave, pour l'instant c'est pas le problème. Oui, bah, il faut faire ça en fait. Il faut faire cette porte-là tout de suite. Genre en urgence. Voilà. Par contre, ensuite il va nous falloir une vraie porte. Une porte du personnel. Puisque éventuellement je peux être amené à empêcher des gens de passer d'un coin à l'autre. Donc uniquement en porte de personnel. Voilà, très joli. Il nous faut de l'eau. Il nous faut du lait, il nous faut du lait. Moi j'ai envie de continuer à tirer du gros toyau. Tirer du gros toyau. Ouais, on va tirer du gros toyau. Tire du gros toyau, on tire du gros toyau. Et on dit que c'est celui-là qui va aller alimenter par là. Ouais, on peut complètement. On peut complètement se dire ça. Ouais, on va faire ça. Déjà, vous aurez tiré ce toyau-là. Ça vous occupera les 10 doigts. Cette cantine est vide. Alors, ouais, on va faire un ménagement tout de suite pareil de la cantine. Puisqu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est avant tout de faire une disposition plus que d'aménager de cuisine intégrale. Oh, le passe-plat quoi! Prend une place le truc à chaque fois. C'est incroyable. On va finir par croire qu'ils le font exprès. L'étable. Ah ouais, l'étable, oui, mais. Admettons. Admettons. Hop. Non, petite table. Petite table avec des petits bancs. Pour des petites gens de petite taille. Pour les petits gangs surtout en fait. Pour les mini gangs. Ouais, c'est ça, c'est y a pas de place y a pas de place pour douter quoi. On peut repartir sur de la petite table, c'est ça? Petit banc, ouais, mais alors du coup, est-ce qu'on peut décaler? Parce que nous, on aime bien gagner de la place pour en mettre plus, quoi, pour en mettre des tartines. Nous, on tartine, mais on est quand même spacieux. Hein. On n'est pas non plus banc collés les uns derrière les autres. On est quand même dans une certaine forme de confort. Somme toute, avec une autre petite table ici, on reste spacieux tout de même. Bon, même si là on est un peu coincé, un petit peu poussé dans un coin. 1, 2, 3 passe-plat, j'embêterais bien un quatrième pour avoir vraiment une grosse capacité, grosse mais bien vénère capacité à remplir les locaux. Il va falloir que je laisse de la place pour les portes 100%. Et donc il va me rester de quoi mettre petite table. Ah non, grande table même. Non, je dis des bêtises. Grande table hein. Grande table, ça passe. Ah ouais, mais ça passe collé. Ah, est-ce que je veux que ça passe collé? Ou est-ce que petite table à la cool petite table à la cool Ah ça, on est ça chill hein. Ah ça chill bien, ça chill fort hein. C'est des contracts quand même ici hein. C'est quand même pas, on n'est pas énervé de vous. Oh, petite cabine de douche ici, non ça sert à rien. C'est histoire de dire.
On verra comment je place ça. J'ai aussi des radiateurs à placer. Ça, ça va pas louper. Donc je pense que on va les gratter par là. Ça, il diffuse quand même plutôt bien dans la pièce, je pense. On aura la place. Toi, dans le doute, on va te mettre là. Voilà. J'ai oublié de te raccorder en eau, c'est ça le délire? Oui, parce qu'en fait, on a tiré l'autre tuyau. Donc, ouais, c'est bon. Raccorde-toi en eau normal. Vous avez pas de jus. Fortune cette histoire. Mais qui râle alors qu'on est bien. On est bien. Il restera de la place. D'ailleurs, j'avais déjà construit des trucs, donc là on est sur du classique et là on est sur du classique, d'accord. Ah ouais, on est sur du classique hein, finalement. Visiblement en cuisine. Hein. En cuisine, on a affaire à des gens sains. Les cuisines en fait du coup sont balèzes, c'est ça qui est ouf. C'est quoi qui me disait, ah mince, les cuisines elles vont être trop petites et tout, je sens que je vais me battre avec deux éviers, encore à la con, je vais galérer et tout. Rien du tout. Rien du tout. On est large. Là on peut envoyer 4 cuisiniers. Par salle, on est bien. Et voilà. Le petit fantaisiste réglementaire. Alors je voulais voir justement dans les. Pas dans les constructions. Oui, c'est ça, dans le clonage. Si t'es genre possible de prendre le contenu de cette pièce. Ah non, c'est pas ça. Comme ça qu'on fait. Et est-ce qu'on peut genre le tourner et tout ou pas du tout. Ah genre c'est pas possible du tout. Mais en vrai, est-ce que j'ai besoin de le pivoter? Bah réponse non. En fait j'en ai juste pas besoin. J'ai juste pas besoin de le faire pivoter. Ça fait pas symétrique, bon, en vrai on gagne beaucoup de temps sur la vidéo. Est-ce que c'est pas quelque part tout ce qui compte? Voilà. Voilà. J'ai pas raccordé l'eau chaude non plus. Mais il faut du chaud sur chacun des. Chaque évier va falloir du chaud. Ça va, on ne dérange pas quoi. On ne se jette pas. Par contre, ouais, ici il va falloir faire si. Ici il va falloir inverser parce que je vais pas m'amuser à tirer de la pluie aussi. Là par contre, on va inverser. Ouais, j'aime bien le jeu, mais là on inverse. Hein. Il nous faut donc également, pareil, rebelote des mini fenêtres. Deux, trois par là, deux, trois par là, et deux, trois par là. Voilà, nice. Les petites fenêtres, d'ailleurs, tu sais quoi, j'aurais pu en rajouter une ici pour le swag. Et bah, du coup, je vais faire pareil, je vais en rajouter une ici pour le swag. Parce que c'est swag. Alors, il va nous falloir également des portes, on a dit par ici. Voilà, on va les double porter. Deux fois. Ouais, malgré tout, il nous reste un petit peu de place. On peut y mettre un truc sympatoche. Une petite table. Oh, est-ce qu'on a envie de faire ça? On va en fait tellement. Avec un petit banc là. Et on garde encore de la place quoi. C'est ça le pire. C'est qu'on a encore de la place quoi. Ça c'est des barres. Mais par contre j'adorerais que vous ouvriez cette pièce hein, tout de suite. Hein. Le plus rapidement possible. On est bien.
On est bien, on est bien. Par contre, ça m'a encore coûté un sacré billet dans toutes ces conneries. Il va falloir que j'abatte du bois encore. On pourrait peut-être aussi un peu plus d'ouvriers pour avoir l'air moins ridicule. Mais bon, c'est une autre histoire. Finalement, je veux dire qui s'intéresse les ouvriers. Personne, voyons. Ouais, donc il va falloir de l'eau chaude aussi. Voilà, on est bien. Ah, faut raccorder électriquement cette histoire. Comme ça. Un câble. Non, non, on est bon. On est bon, on est bon. Petit bruit de pluie, très agréable dans le jeu. Hein. Petit bruit de pluie, hein. Ça va être sans. C'est très agréable. Ce qui me fait penser que j'ai oublié de mettre une poubelle. Là, je leur ai tout mis, sauf une poubelle dans la cantine. Ça va être le chaos. Pour changer un peu. Ah, yes. Sachant que si j'en mets une, je vais drastiquement. Réduire l'espace. Évidemment. Je mets deux poubelles là, c'est chiantière. Là, je vais pas en mettre, tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, on est à moins 2 degrés. Comment ça se passe à moins 2 degrés? À moins 2 degrés, on est confort. Les cuisines aussi, on est confort partout là. Hein. Même à moins 2, on est confort partout. Le jeu a pas l'air d'être quand même trop chiant sur les variations de température. Bon, bah, t'as des chauffages. Tu couvres assez d'espace avec, c'est bon quoi. Quoi? Oh, non mais sérieux. Ah, faut tirer, allez-y les gars, faut tirer du matos. Par contre pour le chauffage, je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ça va aller. Attends, c'est mon chauffage, il est censé être là. Je suis pas sûr que ça va vouloir. Je suis pas sûr que ça va chauffer jusque là. Au vu de la couleur, on commence à être clair. Là. Et bah ça tient. Ça passe. Ça passe, il y avait déjà... Ok, il y avait déjà dans l'eau. Bah très bien, dans ces cas-là, on va faire donc cette cantine inversée, c'est parti. Planification, on va quand même virer ça, voilà. Et on est parti. Bon, déjà on peut les faire bosser sur le carrelage en attendant, ça va les occuper. J'ai oublié de mettre des fenêtres, faut que je pense à mettre des fenêtres. Faut que je pense d'ailleurs tout de suite à mettre des fenêtres, sinon je vais oublier. Et ah ouais d'accord, et j'ai pas fait l'accès non plus. Ils ont les accès proprement. Bien ici. En éclairage dedans. Ah ouais c'est quand même un peu sombre. Hein. C'est peut-être ça va être peut-être un peu moins sombre comme ça. Je pense. Il y a moyen. Il y a moyen que ça aille mieux. Et donc je disais fenêtre, hein, parce que j'ai encore oublié. Là, il y a son déjà. Et là je vous dis, mais qu'est-ce que je devais mettre? Des fenêtres. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. On va les mettre. On va mettre nos fenêtres, ça va bien se passer. Ceci est une fenêtre. Tac tac tac. Hop, ça.
Ok. C'est bien, ça marche. Pareil, on va tout de suite en profiter pour poser de la porte. Ah oui, alors non, non. Ah ben non, on va en profiter tout de suite pour poser l'intérieur. Puisqu'il faut la contrainte des deux radiateurs ici. Que je crois que j'ai déjà raccordé. Ouais, je les ai déjà raccordés. Donc mes deux radiateurs sont là. Si mes deux radiateurs sont là, dans tous les cas, j'ai une table ici. Avec un banc par là et par là. Avec de l'autre côté la même chose. Non, grande table s'il vous plaît. Voilà. J'ai contre ce mur. Donc on peut continuer à suivre de toute façon le petit mur là. On n'est pas embêté. Une petite table viteuf, gentillette, mignonnette. Ah oui, mais non, parce que là pareil, là on est bloqué, on est obligé d'inverser. Parce que ça, c'est ce qui est censé être devant, alors que pas. Vous voyez, je veux dire. Ah ouais, on est grave embêté en fait. Parce que mes portes gênent. Donc effectivement, mes portes, faut que je démonte mes portes et je suis obligé d'aller les mettre de l'autre côté. Donc on est sur une porte comme ça et deux blocs plus loin. Hop. Voilà, très bien. Et là, effectivement, on peut donc reprendre le système de une table là. Une table, oui, une table là parce que table de service ici. Avec des petits bancs. J'aurais placé mes tables de service comme ça. Ça va me donner un peu plus l'image de la chose, quoi. Avec table de service et table de service par là. Voilà, très bien. On a un peu plus de visuel sur la chose. Ensuite, au milieu, on a à cette hauteur-là une table. Des lampions, banc, table, banc, lampion. Hop, banc, banc, petite table. Très bien. Lampion, lampion, c'est lui. Il y a re petite table ici. Ah oui, re petite table. Ouais, mais re petite table ici en fait. Ouais, re petite table là. Que lampion entre deux. Et donc lampion. D'ailleurs, en termes de loupiote, de 100 mètres ici aussi. Très joli. Très joli, très très joli. Certains diraient même magnifique. Tant qu'on y est, on va se claquer de les deux doubles portes qui vont bien. Okay. Et là. Parfait. Donc on y est, on va se mettre les deux chemins extérieurs. Oh, du coup il y a un trou de fer. On va pas rester sur le plan. Avec du lampion, du lampion, du lampion, du lampion. Et du paillasson bien sûr. Incroyable. Très joli. Comme d'habitude. Je viens gaming, mais j'aurais peur de faire un placement de produit. Et j'avais juste mis une fenêtre. Bah juste une fenêtre. Très bien. Il me manque quelques petites choses. Oui, il me manque quelques petites choses. Il me manque un banc, une petite table par là. Et du coup, j'ai placé comment celle-là? Ici, c'est ça? Ça a l'air d'être ça. Ouais, ça a l'air d'être ça, 100%. Et on a une autre petite table donc juste là. Et pourquoi il y a encore une table qui est enfouie, c'est ça? Il faut impérativement que j'en pose des gardiens parce que là c'est embêtant. Personnel, il faut du gardien. Ah, fouillez-moi ça. Fouillez-moi les trucs louches là, ça ira très bien.
On vous garde tous les deux, hein. Pour l'instant, bon tant pis, on gagne plus beaucoup de sous, mais en vrai, est-ce qu'on est à ça près? Est-ce que vous venez faire les fouilles ou vous calez derrière des caméras après? T'écoutes des téléphones. La personne de la prison, Michel! Arrête d'écouter au téléphone, va bosser, connard! Incroyable! Ah bah même ça, du coup, je peux pas m'en servir. Attends, je peux peut-être en choper un par la poudre. Ah bah, oh d'accord, je les ai tous virés, c'était très bien. Super. Alors, on a fait des économies, du coup j'ai raqué pour ça. Quoi? Quoi? Mais personne veut fouiller ça? Merci. Il fait que j'embauche 3 flics quoi. Ah du coup ils sont tous équipés par Balthazar, magnifique. Merci vieux. Merci, heureusement qu'il y en a un qui bosse. Hein. Tu fais plaisir, il va se mettre sur les écoutes téléphoniques, je vais avoir envie de le tuer. Secours, secours. Bref, restons calmes. Je suis calme. Hein. Je suis un modèle de calme. Pourquoi il n'y a pas de barbelé là-dessus? Ça me stresse énormément. L'absence de barbelé me stresse énormément, parfait. Ce barbelé étant mis, les douches. Faisons-nous un bâtiment douche. Alors le bâtiment douche, bah le sol c'est pas compliqué, hein. Moi le sol je le pave comme un fou furieux. Mais ce que je voulais voir, c'était si ça, voilà, ça c'est convaincant, d'accord. Ok, je suis convaincu, j'achète. D'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire. Je suis un petit peu trop convaincu, on va peut-être se calmer un peu. Ah mais ici il y a que... Ah. Ouais, oh, c'est pas grave. Je pense pas que j'ai besoin d'en exploiter autant, mais vas-y, pour l'instant, développons et ensuite nous verrons. On va ajouter à ça des doubles portes. On va arrêter tout en fait. En fait, arrêter tout. Mauvaise idée. Ouais non en fait non. Annule tout. Oh, mais je sais pas ce que je veux faire, mais je vais le faire. Hein. Je sais pas ce que je veux le faire, mais croyez-moi bien, je vais le faire. Je suis déterminé à le faire. C'est ça que vous vous rendez pas compte en fait. Je sais pas ce que je fais, mais je suis déter. C'est bon, ça a été annulé. J'ai réussi à... Ah parfait. C'est bon, j'ai réussi à l'annuler. Par contre, on va démonter cette porte, puisque du coup elle ne sert un peu à rien ici. On est quoi? On est à peu près au milieu. Ouais, on est à peu près au milieu, donc on va fermer avec un mur carrelé. Ici. Non? Si. Ah, j'ai tout décalé. Faut que je décale tout. Ah, arrête là, de te faire du mal, gros. Faut tout décaler d'un cran. Ah, tu peux, vas-y, hein, tu peux te faire du mal. C'est parti. Yes, alors ça, ça se démonte. Ça par contre c'est cool, ça se démonte. Donc. Démontez-moi ça. Voilà, parfait. On récupère nos colonnes de douche. Et on décale. Il va falloir faire pareil avec les portes, tout à fait. Ouais, extrêmement passionnant comme jeu. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Complètement d'accord avec vous. Hein. Je n'ai jamais douté. Mais alors finalement, en fait, ce que je fais depuis le début, c'est de la merde. Je peux juste simplement mettre ma colonne de douche ici au milieu. À deux cases l'une de l'autre. Et on n'en parle plus, c'est ça. Et en fait, depuis le début, je suis un blaireau à vouloir faire un quadrillage. Ouais, faisons ça et on verra bien. Oui, ça a l'air d'être complètement simple sur l'histoire, c'est ça le pire. On va tapisser comme ça. Hein. Ça par contre je suis très fan du tapissage de grilles de douche. Hein. C'est vraiment ma passion. Alors je me suis déjà fait avoir, donc on va en mettre aussi devant les portes. Voilà. Pourquoi? Non.
Mais non, on peut en mettre sous les colonnes de douche, d'accord, mais on s'en fout. On n'a pas besoin. Enfin, pas que je sache. Posez-moi vos conneries, c'est tout. Les pommeaux de douche, bah ouais, écoute, on va déjà commencer par les mettre là. Ok, on continue, hein. Paf, paf. Du coup, en fait, je fais des douches. D'habitude, on sait, hein, je fais des douches très tassées, très serrées. Et là, c'est pas l'intérêt puisque je veux pas qu'ils se foutent sur la tronche, en fait. Donc, je vais pas abuser. Je vais pas m'acharner contre eux, quoi. Par contre, non, en fait, on va sauter les pommeaux de douche des coins. Puisque par contre on va caler des radiateurs. Radiateur une fois. Alors on sait tout de suite, hein, des paillassons ici. Hein. Alors non, pas ça. Faux, parce que du coup mes portes faut que je les décale. Vous avez noté que du coup mes portes il faut que je les décale. Il faut que. Hein. D'accord. C'est un plaisir quand vous suivez. Monter des objets de la prison. Ça marche pas. Non. Démolir mur, bah non, je veux juste démonter mes portes. Ah bah, donc on va le faire manuellement. On va faire un démontage de portes. C'est pareil, hein. Annulez-moi ça. Hein, par contre, hein. Voilà. Non, mais tu peux par contre, tu peux continuer à démonter par contre. Il n'y a pas de problème. C'est bon, on démonte. On démonte, on est chaud. C'est excellent. C'est excellent. Du coup, est-ce qu'on va réussir à tirer de l'eau chaude jusque là-haut? Parce que la douche, elle est pas que froide, hein. Il va falloir balancer du chaud, je crois. J'ai bien peur que ce soit nécessaire. Après, en vrai, vu la taille des douches, j'en suis vraiment à me demander, est-ce que je fais un seul et unique bloc de douche? J'en suis là. J'en suis là dans ma vie. On va se recaler un radiateur par là et par là. Alors idéalement en fait, il faudrait que je me fasse un mini bâtiment de briques. Avec un accès strictement réservé au personnel professionnel qualifié. Voilà. Et de là on va se tirer de l'eau. Du coup, bah, par contre, ouais, la question maintenant c'est l'eau vraiment, je la récupère où? Je la récupère de là ou de là? Je sais pas. En vrai, je sais juste pas. Poser mes toyaux. Non, pas tout. Pas très clair. Vous êtes pas clair les mecs, hein. Ah, vous en faites des allers-retours, hein. Donc ça suit, hein. Ça transpire un peu, hein. Oh là là, je perds tellement d'argent. Virons une femme noire obèse. Elle avait tous les défauts du monde. C'était parfait. Oui, parce qu'être noire, obèse et être une femme, ce sont des défauts. Logique humaine, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi j'en sais rien. Hein. Oh, ça a l'air d'être des défauts. J'ai envie de dire pourquoi pas, hein. Faut bien avoir des excuses pour virer les gens de toute façon. Oh, dans un système qui est comme ça. Par contre, ouais, ça va être compliqué. Ouais,
Ouais, faut que je tire du jus. La pile, elle est comment en fait? Parce que... Ah, d'accord. Ok. Et eh ben, on a un nouveau problème. On a un nouveau problème. On a un nouveau problème de jus en fait, parce que les deux piles sont au plafond et qu'on peut pas leur en mettre plus. Bah yes. Surtout si on rajoute quelques pièces dans la cuisine. Celle-là, elle va planter direct. Donc, sachant que les des portes sont pas automatisées, si toutes les portes sont automatisées, c'est raccordé ça? Comment c'est connecté ça? Ok. Bon, je laisse bosser un peu. Ce qui est le temps de boire du café froid, tiède froid, du comment là? Alors, attendez, on va faire un petit switch cafetière. Mets-moi du tiède dans le chaud là. Et hop, récupère-moi du bouillon à mettre dans mon tiède. Est-ce que du coup on a un chaud? On a même un bien chaud. On a un bien chaud. Et un bien chaud, c'est cool. Voilà, donc j'en ai bu une gorgée parce qu'il est bien chaud. Je vais voir tout le reste du mug gelé. Comme d'habitude. Bienvenue sur Comme d'habitude Gaming. Comme d'habitude, on va boire le café froid. C'est vraiment une passion finalement. Moi je la reconnais, je reconnais, je reconnais. J'accepte de dire que c'est effectivement une passion de boire le café froid. Écoutez, vu la quantité que j'en ai bu dans ma vie, finir par croire que j'ai bu plus de café froid que de café chaud. C'est assez dingue. Du pommeau de douche, ouais. Oui mais non. Alors si, parce qu'en fait, oui mais non. Alors, non. Parce qu'en fait, faut que je déplace mes portes. Tant que j'ai pas posé mes murs avec mes portes, je sais pas où je vais. Après, si c'est pour alimenter ça, est-ce que je tire pas un bout de câble? Non, vraiment. En vrai, on est vraiment au taquet. On est vraiment au taquet. Taquet. Ce qui me fait penser d'ailleurs que ma cour elle est toute petite là. J'ai fait une cour, elle est toute petite. Salle commune est pas grande non plus. Alors salle commune après ils en ont deux. Ça par contre c'est le truc, c'est qu'ils ont deux salles communes. Ah oui mais alors l'autre elle est encore plus petite, d'accord, j'ai rien dit. Donc la petite salle commune, petite cour, alors qu'après tout le reste est grand et assez balèze. Les douches d'ailleurs sont très grandes et très balèzes. À se demander ouais, si je transformerais pas l'autre côté des douches directos en salle de sécurité et en... Parce qu'une salle de sécurité c'est toujours bien, premièrement. Et en... comment ça s'appelle? Je vais trouver, hein. Je vous jure, je vais trouver. Ah, ou en salle d'exécution. Hein, petite salle d'exécution à côté de mon générateur électrique. On discute ou pas? On discute? Moi je pense qu'on discute, hein. Ah, je pense qu'on discute tellement que... Ouais. Alors, cellule améliorée. Ah, c'est trop petit. Et ben voilà. Ah, une cellule améliorée, c'est trop petit. Ah non, il me faut une Deluxe. Une édition Deluxe, mais du coup elle est trop grande. Ah non, elle est parfaite. Elle est parfaite. C'est une cellule de luxe. Après, si je veux me faire une salle d'exécution, il me faut quoi? Non, c'est là. Pièce. Chambre d'exécution. Si par exemple, je veux... C'est quoi la condition? Chaise électrique, c'est tout. Bon, bah. Chaise électrique, s'il vous plaît. Il faut juste une. Hein. On peut en mettre juste deux. On s'amuse à électrocuter les gens de par deux. On peut la tourner? Ah, on peut toujours pas la tourner par contre. Un petit
peu triste. Ouais, parce que je peux pas exactement la centrer, hein. Du coup c'est un peu triste tout. Oh, vas-y, on va la placer comme ça. Parce que je crois qu'il lui faut un parloir aussi. Électrique du coup directos ou mini parloir. Genre mini parloir. Ça dépend. Ouais, en fait, c'est ce qu'il faut que je vois, c'est la taille de la pièce nécessaire. Le parloir. Ah, il n'y a pas de taille nécessaire. Ok, genre je mets ça comme parloir. Objet. Juste une table de parloir. Ok. Moi je dis, c'est l'ordre de la mettre. Paf, pile au milieu. Genre pile. On continue à mettre du barreau. Est-ce qu'on a vraiment besoin de se mettre une porte utilitaire? Non. Non, 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 carrément pas. Je trouve que c'est une grande porte de cellule bien vénère. Ouais, c'est une porte de cellule bien vénère. Ouais, c'est ça, ça repart là. Qu'est-ce que tu bug? Pourquoi tu bug, mec? Pour rien. On va agrandir notre parloir. Pièce, le parloir. Alors j'en ai deux. Voilà, là on a quand même, il y a quand même un swag, hein, il y a quand même la présence d'un swag. Et d'un bug graphique au passage. Et d'un bug graphique. Ah, c'est joli, hein. Non, c'est joli, hein. Ça donne envie de se faire exécuter, donc les gars. Truc trop horrible. Ah, ça, j'ai bien envie d'essayer. Ah non, c'était pas une bonne idée. Ah, prison d'architecte, c'est toujours aussi horrible, c'est génial. Bien d'avoir un jeu aussi horrible. Du coup, j'ai pas fait de salle de sécurité. Et il faut que je cale mon truc surtout d'électricité. Parce qu'à la base, j'ai fait tout ça pour mettre un nouveau générateur. Et je peux pas le mettre là parce que je vais être collé. Et donc, j'ai pas assez de place, c'est ça? 1, 2, 3, bah si j'ai assez non. Attends. 1, 2, 3, 4. Ah non, j'ai que 4. Et j'ai pas assez. Et j'ai pas assez. J'ai pas assez pour le mettre. Personnel. Pièce. Salle de sécu 4 sur 4, c'est validé, c'est tellement validé que c'est validé. Salle de sécu bien sûr, tout en barreau, ça serait tellement intéressant de faire ça tout en barreau. Alors il faut essayer de faire semblant de faire des murs à peu près propres. C'est moi un mur comme ça à peu près propre. La salle de sécu, voilà, ça va être des comme ça, ça va être du comme ça. Et ce sera réservé au personnel bien sûr autorisé. Voilà. Avec bien sûr, on oublie trop souvent de le faire. Hop, ça. Toi t'as ça.
Ça comme ça. Et ça comme ça. Du lampion. De la loupiote. Se faire sauter, c'est quand même vachement important. Les salles de sécu, ça se passe comment? C'est grille et parquet. Ok, c'est de la grille. Et du parquet. Ok, et ici c'est du grillage métallique. Je sens que j'ai oublié de finir de mettre des loupiottes, c'est ça? Ouais, bien sûr, comme d'hab. Hein. J'ai commencé un truc, j'ai oublié. Ah, le syndrome du carton. Ah ouais, non, ici ça sert à rien d'en mettre. Ça c'est bon, on peut se mettre aussi les loupiottes ici et clairement là-dedans. Je peux en mettre une, Chut. Ok, donc faudra que je mette quand même un générateur là, électrique pour alimenter ça, parce que là on est mal. Après, est-ce que je pourrais pas glisser justement un bloc avec deux générateurs électriques là-dedans, un pour alimenter ça à la limite, et un pour alimenter toutes les autres cellules. Parce qu'en vrai, du coup, on a toutes nos infrastructures. Mais on sait qu'électrocuter quelqu'un, c'est quand même gourmand. Ah oui, ça pourrait complètement se faire. Petit paillasson, ma gueule, t'es bien. Hein. Quand même un prisonnier bien vu. Trop horrible. La salle d'exécution, je crois qu'on a déjà utilisé le full marbre pour le parloir, hein, c'est ça. C'est ça, on est en marbre intégral pour le parloir. Voilà. Voilà. Et donc pour le mec dans sa cellule... on va faire un revêtement métallique. Voilà. Un petit revêtement métallique, c'est tout. De toute façon, c'est pas toi qui décide, comme tu sais si bien Fanta. Ce qui me fait penser que malheureux, du coup, faut que j'aille mettre des radiateurs partout. Au secours. Que j'aille mettre des radiateurs partout. Mettons, on va en mettre un là. On va mettre un juste derrière eux. Faudrait quand même pas que tu te pèles les miches le jour où tu vas mourir. C'est quand même dommage. C'est moi ou le bureau est enregistré à l'envers de base? Le bureau, il est posé. Démonte le bureau. Vite. Genre c'est urgent. Parce que là moi un bureau à l'envers comme ça, je vais pouvoir supporter longtemps. Voilà. Bureau à l'endroit, merci. Impossible d'accéder à une cantine à partir de là. Attends, y'en a hein. Comment ça? De toute façon, on va voir plus loin, voir plus tard en vrai. Les salles d'exécution, c'est pas pour tout de suite.
Alors je sais pas par contre, tiens, une originalité, est-ce qu'on peut mettre des grilles là-dessus? Ah bah ouais, d'accord. Eh bah vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, va. Regarde-toi. Toi, chef, par contre, tu verras rien. Tu verras jamais la lumière du jour. Si, tiens, comme ça. Enfin, tu verras soi-disant la lumière du jour. Soi-disant pas, là. Ah non, ouais, on va mettre ton bureau de l'autre côté. Voilà, comme ça. Donc, la sœur, ici. Voilà, bravo. Super salle de sécurité. Lourd. Et donc là, il fallait que je refasse les portes ici. Donc on va faire ça. On va faire ça. Ça fait un peu tout en porte là pour le coup. Ça fait très très tout en porte. Hein? Ouais, hein. Un peu, hein. Ah, ça fait un peu. Pourquoi ça fait tout en porte? Ah, ça fait tout en porte parce que j'ai remis une porte sur deux alors que c'est pas ce que je voulais faire. Et ce que je voulais faire moi à la base, c'était réussir ma vie. C'est pas ce que je vais réussir à faire, évidemment. Du coup, ouais. Démontez-moi ça, on va voir si vous démontez les bonnes portes. S'il vous plaît. Ouais. Ok. Ok. Vous faites pareil ici. Vous faites pareil là. Et là on ferme. Du mur carrelé. Voilà. Et là on tient le bon bout. Et là on tient le bon bout et du coup ça y est, on peut se mettre ces trucs là, hein, comme ça. On peut se mettre le petit sol de pierre un peu par deux parce qu'il y aura du monde normalement. On met ça en deux par deux, on peut évidemment mettre un petit paillasson, des pas sauvages, des petits paillassons par-ci, par-là. Ok, très bien. On leur met des fenêtres, bien sûr. Évidemment. Voilà. Paf, on met des fenêtres. On met des fenêtres partout là. Qu'ils sont. Il y a de la fenêtre. Il y a de la bonne bonne fenêtre. Du pommeau de douche, pareil, on va rebombarder du coup. Peut-être pas sur l'entrée. Éviter de trop bourrer les entrées. Et normalement on va être bon. Ouais, je sais pas trop encore par où va arriver le truc. Jusqu'où va arriver le... Ouais, vu que je sais pas encore jusqu'où va arriver le, la taille du bâtiment que je veux faire. Pour l'instant, du coup, je vais rien leur, conclure. Si, ce que je peux conclure, c'est gazon. Les classiques, hein, gazon, gazon. Yes. Allez-y, bourré. Remettre évidemment de la lumière pour qu'on y voit quelque chose toujours. Hein. Évidemment, ça on adore. Ouais. Ok, on est pas mal. Ça rend pas mal.
Ça rend pas mal. On devrait pouvoir réussir à couper la tête à quelqu'un, électrifier quelqu'un, électriser quelqu'un plutôt. Ouais, je vais pas exploiter là, je vais mettre ça là. J'ai large la place, j'avoue, en place je suis très très large. Je vais mettre la partie électrique ici. Donc on part sur une construction en briques. Ça me fait du 4. En soi c'est suffisant. Et on ne peut y accéder. Seul le personnel peut y accéder. On est sur du 16 sur 16. Évidemment on va venir ici, mais je peux rien mettre tant que vous aurez pas tombé du bois. Alors, il faut tomber un peu de bois hein. Du coup moi ça me laisse le temps de me remettre un peu de café. On va le faire le bloc de cellules hein. Je vous rassure, on va avoir notre capacité de 15. C'est prévu. On va se faire ça. À 4 février, ils auront bossé hein, pour aménager les lieux. Hein. Croyez-moi bien, ils ont du mérite hein, ces petits gars. Hein. Ils auront sué un max. C'est dense, hein. C'est dense de ouf là. Là en vrai il y a tellement d'arbres, 1, 2, 3, 3 ou 4, ils en abattent pas. Ouais, ça en a 2, ouais, celui-là du coup ils ont pas besoin de l'abattre. Ok, bon bah s'ils veulent. Nécessite une entrée évidemment. Allez-y. C'est formidable. Cool, on recommence. J'ai mal calculé mon coup, je sais même pas pourquoi. C'est du 2 sur 2 ça pourtant. Ouais, enfin du coup on le saura jamais. 2 sur 2 mais c'était bon normalement. Enfin, je sais pas. Ouais, j'avais du 4 de place. Moi ça comme ça. Si on peut le mettre. Ah non, il fait du 3 de taille. Ah, j'ai rien dit. Ouais, j'ai... Ok. Une pompe à flotte. Pompe à flotte. Je remets la pompe à flotte là. Et on se remettra une chaudière ici. Et on va se mettre les entrées qui vont bien. C'est là. Voilà. On va pas être radin, on va tout de suite payer des piles. Payer des piles, des piles, des piles, des piles. Les piles c'est par là. Ah, sauf que les deux réseaux vont être connectés si je fais ça. Annule. Les réseaux vont se toucher. Si je le fais, les réseaux vont se toucher et il faut pas que les réseaux se touchent. Donc la chaudière, oui.
Ah, quoique, tu sais quoi, de toute façon, j'en ai une juste là, donc pour l'instant, c'est pas nécessaire. Attends, pourquoi? Ah oui, tu alimentes déjà la pao, donc déjà, t'es déjà au taquet. Super. Incroyable. Ah, c'est déjà dans la file, ok. J'ai déjà mis. J'ai déjà pré-shot ça. Et c'est full metal, évidemment. Je me suis posé la question un peu pour le style. C'était full metal. Allez, bonne journée. Au boulot. Hein. Ok, donc ça s'alimente jusqu'ici. À partir de là, en fait, c'est un peu costaud jusqu'ici. Puis augmenter ça. J'ai envie que tu desserves que ça en fait, et l'autre desservira tout le reste. Donc on va se faire ça. Là c'est la grosse misère parce que voilà, il va falloir tout faire en eau chauffée. En eau chauffée Allez, c'est derrière. Ah mais il y a de l'eau froide aussi ici alimentée. Du froid, c'est juste ça. On devrait faire une conduite comme ça, ça devrait tenir sans trop poser de problème. Ouais, ok, bah c'est parti. Ah oui, mais sauf que là, ici, on est carrément dans les coins. On est carrément dans les coins parce qu'on a des chauffages dans les coins. Et ben. Ouais. J'espère que ça va tenir. Parce que jusqu'ici, ça a pas l'air d'être. Ça a pas l'air d'être ouf tout ce qui est de tenir. Alors je pourrais économiser un peu de tuyaux en évitant de tirer des grosses lignes droites. Sauf que j'ai peur qu'à force de faire des chemins tortueux, on n'arrive pas jusqu'au bout du réseau et du projet. Donc on envoie tout ce qu'on a. On balance la max tout de suite. Hop. Et hop. Rembourse toujours quelques frais quoi.
Très bien, le bug est corrigé, c'est formidable. Ça, j'ai pensé bien mettre des fenêtres partout, même eux ils en ont, il y en a partout, tous les bâtiments, il y en a partout, 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 partout. Ah, par contre, la prison est dans un état d'hygiène déplorable. Et ça d'ailleurs, par contre, c'est un petit peu dommage aussi, pareil, que ce soit pas géré un peu intelligemment sur le jeu. Que bah là, du fait qu'il n'y ait pas de prisonniers, pas de circulation, très peu de gens en fait, tout est très sale tout de suite. Alors, pour les fleurs, ça je comprends. Mais genre les intérieurs des bâtiments sont tout de suite sales très très vite alors que bon bah il y a trois ouvriers qui sont passés dedans. Après c'est parce que... Est-ce que c'est parce qu'ils aménagent que du coup c'est sale? Question. J'ai envie de dire pourquoi pas. Ça ressemble à rien. Les grilles sur les murs comme ça, ça ressemble à rien du tout. Ça ressemble à rien du tout. Il n'y a pas de cantine à proxy, mais ouais, on va te gérer ça, mon gars. Logistique, distribution de nourriture. Comment ça, ça distribue le parloir? Pas besoin d'alimenter le parloir, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, ça c'est bon, ça par contre, ça ok, ça on est d'accord. Ça c'est dangereux. C'est bon. Ah non, il faut qu'il accède à une cantine. Ok, ok. Non, d'accord, d'accord, d'accord. J'ai un. Vire-moi ça. Voilà. Ok, chacun son truc. Oui, je te confirme bien que tu fais ça, il n'y a pas d'embrouille. Ouais, c'est confirmé. Vas-y. Ah, ça non. Toi dans ce sens-là, comme tu veux, voilà. Saute pas ton monde. Voilà, tu feras les deux. Je reclique pas, j'aurais peur de te faire bugger. Et en fait, ce que moi j'ai besoin, c'est que toi tu accèdes à cette cantine-là. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour toi? Ça a l'air d'être bon pour lui. Les jus, c'est en cours. Hein. C'est tout est en train de se poser. Ça, les mecs qui bossent, partir. Ah oui, il reste, j'allais dire, attends, j'ai posé mes caps, ça va que jusque là. Au secours. Très bien. Très très bien. J'aurais presque envie de fermer ce secteur là, mais je vais pas le faire. Par contre, moi j'y vois, quelque chose d'incroyable. Une tour de sniper, c'était incroyable. Ce don de vision, fou quoi. C'est fou. C'est fou de voir des snipers comme ça pousser au milieu de nulle part. Genre, tu vois, genre lui. Paf, tu vois, là c'est fou. Un seul coup, une pensée, une vision, et il existe. Subitement. Par contre, il va nous falloir un petit peu d'éclairage, petit pote. D'ailleurs, je vais éclairer un peu autour des tours elles-mêmes. Histoire que vraiment, on ait... Ah ouais, lui, il va avoir moult éclairage. Hein. C'est moult éclairages. De toute façon, c'est ce qu'il faut. Hein. Il faut moult éclairer. Hein. C'est très important. Parce que si vous voyez pas, vous tirez pas. Hein. Et ouais. Or, il faut tirer. C'est la règle.
il faut tirer sur les gens tout le temps. Même le week-end. Même le week-end, faut tirer sur les gens. Je sais pas ce qu'il y aura en face. Je pose 2-3 loupiotes. Qu'on y voit quelque chose, quoi. Faut qu'on y voit quelque chose un peu. Non, je sais pas ce qu'il y aura encore en face, ça sert à rien de mettre ça. Par contre, ça, oui. Ah, on peut mettre de l'herbe sous ses pieds, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Enfin, un truc, c'est approximatif, hein. Les idées sont approximatives, mais bon, écoutez, c'est des idées quand même. Je sais pas si je sais plus si je peux faire mon mur des cons contre le mur d'enceinte. Mais je crois que oui. Et je crois que je vais le faire d'ailleurs en mur d'enceinte, ça peut être très rigolo. Ça peut être très rigolo de s'imaginer un mur des cons contre le mur d'enceinte. Semble le mur qui va quand même être exploré. Par exemple, effectivement, si avec une petite porte d'isolement on peut se faire ça bien. Ah mais mince, je fais de la merde. Un petit peu de ça ici, on va par là. Allez, on enlève cette lumière. Par contre, celle-là, faut vous la faire en urgence, s'il te plaît. Je puisse continuer à faire la merde. Mettre à côté, ça sera très bien. Est-ce que ça marche les portes comme ça? Ah, ça marche, c'est magnifique. Alors ça, c'est beau. Ça, c'est beau. On le dit jamais assez souvent, mais c'est magnifique. Le mur des cons, c'est quand même une belle invention. Carré de weed par ici, voilà. Très joli, hein. Vraiment, c'est beau, hein. Voilà, je dirais qu'on a fait exprès. Par contre, ils seront dans la boue, hein. Ça, oui, ça, par contre, ça, ils seront dans la boue au pétière, hein. Il n'y a pas de, voilà. Et pièces, il me faut donc de l'isolement, s'il vous plaît. Vous noterez qu'il y en a quand même très peu, hein. L'intérêt, c'était pas non plus d'en mettre des tonnes, puisque l'objectif, c'est pas forcément de s'en servir beaucoup. Après, malheureusement, le jeu est assez friand de mauvais élèves. Voilà, les prisonniers, c'est pas toujours le gros fun, quoi. Faut les rappeler un peu à l'ordre, faut les mettre un peu au frais, tout ça, tout ça. On fait, hein, c'est pas grave, hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Et du coup, le bloc de cellules. Alors le bloc de cellules, comment je me le cale? Comment je me le cale? J'ai tellement envie de me le caler, genre là, paf, un gros truc comme ça. Comme un abruti. Mais ce qu'il faut se garder en tête... C'est si je veux faire des cellules basiques. Améliorer, c'est la même taille, hein. C'est du 6 sur 5. En gros, si je veux faire du 6 sur 5, mais que je veux garder un coin pour sniper, genre un truc au moins par là, et au moins par là. Ce qui laisse un couloir de 3 sur 3 en dedans. D'accord. J'aimerais garder tant que faire se peut, voilà. Un petit accès par ici. Hop. Hop.
l'instant ça fait un truc plutôt balèze. Mais je viens d'annuler. Arrête les conneries. Ah oh, mince, j'ai fait une bavure. Mince, j'ai fait une bavure. Ok. Ok. Voir jusqu'où on peut aller comme ça. Pas loin. Hein. Et ouais, ça me laisse encore de l'espace pour mettre une autre tour de sniper et ça me va très très bien. Ça me va très très bien. C'est parfait. Ça me va. Bon là, il y a un petit cafouillage qu'il va falloir annuler. Est-ce qu'il est possible d'annuler ça? Non. C'est pas très bien. Ça fait plaisir. Et tout ça, donc dans un seul et même bloc de béton. Par contre, il y en a, on sait pas pourquoi on peut pas. Mais il y a des bâtis. Pourquoi je peux pas? Là, je peux. Sauf celui, bien sûr, qui est en conflit, qui fout la merde. On va laisser les gars construire, puis bon bah on va aménager en fonction d'eux. Mais ouais, un chemin de 3 sur 3 qui ouvre tout de suite sur sur une douche, c'est pas mal. Je sais pas combien de lits par contre ça nous fait. Et je pense que c'est pas mal. Il y a toujours un petit problème quand même avec les validations de ces trucs là, c'est toujours un peu problématique je trouve. Parce que j'aurais bien par exemple aimé juste annuler et pouvoir mettre un bloc là où ça m'intéressait. Mais du coup je ne peux pas. Bah laissons nos petits bonhommes travailler, hein, y a du boulot. En fait, bah d'ailleurs, en fait je vais vous laisser là parce que en fait, il faut mettre une tonne à tomber tous les arbres qu'il y a. Donc je remercie Steknarfonk sur Canal YouTube Gaming pour Prison Architect et je vous dis à la prochaine. Ciao.